À l'heure où nous publions ce décryptage, le tyran sanguinaire et profanateur de la tombe du cardinal Émile Biaenda est dans un état de santé préoccupant. Les récentes publications des vidéos de l'empereur Doyo s'avèrent des montages éhontés et orchestrés par le régime afin de dissimuler la gravité de l'état de santé du pire homme politique de l'histoire moderne du Congo. Denis Sassou Nguesso, Otuembe pour les intimes, est très affaibli par la maladie et le poids de l'âge. Il serait présentement en dehors des frontières du Congo, à en croire notre informateur. Certains pensent qu'il serait dans un centre hospitalier en Suisse. Il y a de cela quelques mois, le tyran avait été admis en toute urgence dans un hôpital dans la banlieue genevoise. La dictature congolaise s'arrange à cacher cette information au grand public afin de mieux organiser la succession de pouvoir de gré à gré à Christelle Sassou Nguesso, son fils, l'homme aux multiples scandales. Nous suivons avec attention cette actualité brûlante et nous vous tiendrons informés dans nos prochaines publications.